C'est la magie de Noël. Le spectacle continue. Nous sommes rue Nationale pour découvrir ce marché d'art de Noël. Coucou, je suis là. Il y a de la magie, il y a du spectacle, il y a de l'ambiance. Nous sommes dans une petite boutique de la rue Nationale et nous allons en parler avec la responsable qui s'est occupée, qui a organisé toute la manifestation. Bonjour Madame Delcluse. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, en pleine forme. En pleine forme, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est quoi le marché d'art de Noël? Alors, le marché d'art de Noël, c'est la réunion de tous les artistes et artisans qui ont voulu venir rue Nationale, animer un quartier et partager leur art avec les autres. Donc ça va de la magie au cirque, en passant par le jonglage, la contorsion, la peinture, les bijoux, la poterie, les joailliers et les sculpteurs. Et bien sûr les peintres, puisque nous sommes d'abord et avant tout un atelier de peinture. Et là, vous accueillez les magiciens qui sont derrière? Exactement, il s'agit de jeunes magiciens du quartier qui ont lancé une association, qui se sont alliés avec d'autres enfants jongleurs de tapage et de l'école du cirque et qui ont monté un spectacle. Et 6 fois... en cette fin d'année, ils vont nous offrir ce spectacle gratuitement rue Nationale. Donc 6 spectacles ici gratuits. Voilà. Il y a uniquement ce spectacle-là, il y en aura d'autres encore, enfin d'autres artistes. Il y en a qui arrivent tous les jours, donc je ne peux pas vous dire exactement. Je sais que ce matin, il y avait un contorsionniste qui nous avait rejoint. Cet après-midi, il y a un autre jongleur qui nous a rejoint. On verra. Ça arrive de partout. Et ici, on est dans la boutique qui appartient à qui? Alors, c'est une boutique qui appartient à la SCI de la clinique Victor Hugo qui nous a aimablement prêté les locaux. Vous verrez un autre lieu du marché d'art qui nous a été prêté aussi par l'agent général AGF Daniel Parisot. Et le 3e lieu est notre atelier. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Ok, il y a du monde, hein. Ça marche bien. Ah, ça marche bien, puis je crois que tout le monde est content. Alors, il y a d'autres lieux lesquels on pourrait visiter maintenant? On peut aller dans l'atelier, ensuite on ira à l'artothèque. Bah, c'est parti, je vous suis, faut traverser la rue? Faut traverser la rue. Eh ben, attention, on y va. Vous regardez. On y va. C'est facile, on a juste traversé la rue. Il y a un petit peu moins de musique de ce côté-là. Nous sommes dans l'atelier. Voilà, vous êtes dans l'atelier qui normalement n'est pas tout à fait comme ça. Là, c'est un atelier exposition. Donc on présente 3 peintres. On présente également un peintre de l'atelier auquel on est très attaché parce que c'est quelqu'un d'handicapé qui a repris sa rééducation avec nous. Donc il a déjà vendu un tableau depuis ce matin. C'est une grande première. On est très content pour lui. Et puis Muriel qui est venue joindre ses bijoux avec nous et qui appartient à Harry Couleur, ne serait-ce que par les couleurs. Justement, on va aller voir justement les bijoux. Vous êtes timide? Oui. Bah oui, j'en croise souvent, mais c'est pas grave. Les artistes en général sont timides. Hein. Ah bon? Oui, c'est ce que... Je pense pas que Blandine soit très timide. Non? Blandine, bah on va expliquer un petit peu les bijoux. Qu'est-ce qu'on peut trouver donc par les couleurs justement? Eh bien, ce qui est merveilleux dans les bijoux de Muriel, c'est qu'ils ne sont pas forcément symétriques. Ils sont de toutes les couleurs. Ils vont avec toutes les couleurs de peau et on peut en changer très facilement parce qu'ils sont tout à fait à ma bourse. Et comme elle n'est pas très grosse, ça tombe bien. Ça fait des petits cadeaux sympas, pas voilà, trop chers. Exactement. Donc on est ravis de l'avoir ici. Il y a aussi de la peinture. Là, vous me parliez tout à l'heure de la peinture sur l'eau, oui, sous l'eau. Plutôt, j'ai mis un de vos collègues au défi de venir essayer parce qu'il ne voulait pas me croire. C'est de la peinture à l'eau, sur l'eau. Ça s'appelle le suminagashi. Le suminagashi, c'est une bassine d'eau sur laquelle on pose des encres ou des peintures. Et ensuite, on vient poser une feuille de papier à la surface de l'eau pour capturer l'image que vous avez créée par les remous ou par les sticks que vous avez manœuvrés. Voilà. Donc ça, c'est un suminagashi, ça, c'est un suminagashi, ça, c'est des suminagashi. C'est une technique japonaise du XIIe siècle qui a donné après l'occasion de développer le papier reliure ou le marbling, mais on doit être un des rares ateliers à le pratiquer couramment tout le temps. C'est donc original et un cadeau original à offrir. Tout à fait. Il y a aussi plein de couleurs de partout. Oui. Le choix. Ah, il y a vraiment de choix, d'autant plus que dans le 3e atelier, vous avez encore une dizaine d'artistes qui nous attendent. Eh ben, s'ils nous attendent, il faut qu'on aille les voir. Allons-y. On y va? C'est parti. Audrey, ben voilà, on est C'est vraiment pas loin, hein. Vous êtes tous recoupés. On est au 66, l'atelier, le 73 en face, c'est les spectacles et peintures. Et ici, vous êtes au 73, qui donc est encore un local qui nous est prêté, avec une dizaine de peintres. Un de nos sponsors, qui est l'établissement d'Albe, qui nous aide régulièrement chaque fois qu'on monte une expo. Donc là, vous voyez, on va de la peinture zen de Fabien à la peinture planète de Jaffi. On passe par les couleurs de Jaffi, de Fab, pardon, Fab, excuse-moi, au vernis coloré de Fab, qui sont des applications qui nécessitent une patience que j'admire, hein, Audrey. Ensuite, on arrive dans le petit coin des potiers. Alors, les potiers, c'est à la fois des matières, c'est des couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on porte une bague comme ça, regardez, c'est une bague qu'on a envie de mettre. Ah oui. Hein, Audrey? Pour vous les filles. Bah, Audrey, venez. On va faire un petit peu le... Bonjour Audrey. Bonjour. Ah, vous aussi, vous faites partie de l'association? Tout à fait, oui. Depuis peu d'ailleurs, depuis récemment, depuis un mois. Et donc, on s'est lancé sur cette merveilleuse aventure du marché d'art de Noël. Et votre rôle à vous aujourd'hui? De porter les bagues déjà? Pour faire mannequin, voilà, par moment. Et puis sinon, eh bien, ça a été un petit peu toute l'organisation du marché d'art, hein, et contacter les gens, l'organisation, le dossier un petit peu aussi explicatif de, pour savoir un petit peu qui est participant du marché d'art, et voilà, et de mettre en place tous ces trois espaces aussi qui a nécessité énormément de travail. Et qui est Jaffi, qui a la tête dans les étoiles là-bas, qu'on a vu tout à l'heure, ces étoiles? Jaffi n'est pas présent. Il n'est pas là? Ouais, son stand est gardé par Fabien Beaumont aujourd'hui, donc vous n'aurez pas le plaisir de le rencontrer. C'est très sympa ce qu'on a vu, hein, les oui, planètes, les étoiles, l'univers représenté. Ouais. Il y a un petit peu tous les genres. Donc, là, c'est plutôt le côté zen. La poterie par là. Voilà, donc c'est vrai qu'on a essayé de faire aussi un marché assez hétéroclite. Ça se voit, ça se remarque tout de suite. Pour que tout le monde puisse admirer des choses différentes et se nourrir vraiment de l'art, parce que c'est pas qu'une seule forme, mais c'est vraiment des formes diverses et variées. Donc autant de bijoux créatifs que de raku, que de poterie. Voilà, un travail aussi très intéressant de Jean-François Doré. Donc très lunaire aussi, avec des grands espaces, hein, des très belles couleurs. Et ensuite, voilà, on va avoir des petites choses un petit peu plus utiles, on va dire, hein, comme des jolis photophores en raku ou des sculptures de femmes habillées, très étranges. Voilà. Et on peut acheter des tableaux ? Bien sûr qu'on peut acheter des tableaux. C'est même recommandé, c'est très très bon pour la santé et ça vous promet une année merveilleuse. Et ça fait super beau dans la maison. Exactement. Il y a Christian qui est juste au fond, on va aller le voir. On vient de voir ses tableaux à l'image à l'instant, on va lui demander. Bonjour, je peux venir vous déranger quelques instants? Oui, il n'y a pas de problème. Pour nous, parce qu'on est intrigué par ces tableaux. C'est pas moi l'artiste. C'est pas vous. L'artiste, c'est sculpture. Vous, c'est sculpture. Voilà, sculpture en modelage et puis bijoux en cristal, ici. Ah, ça aussi, c'est original. C'est super à la mode, ça. Ah bah tant mieux si je suis à la mode, si je suis tendance. C'est quoi alors? C'est du verre? Là, je travaille le cristal avec des oxydes après pour donner mes couleurs, quoi. Juste ça, c'est chauffé? À 900 degrés, oui. Ouais, jusqu'à 900 degrés, en four fermé, quoi. Ouais, vous mettez une sorte de poudre à l'intérieur. Ouais, des oxydes, ça s'appelle. Ouais, des oxydes naturels. Parce qu'on avait déjà rencontré un tourneur de verre, c'est pour ça qu'on avait assisté à un souffleur. Un souffleur de verre, ouais. C'était rigolo aussi. L'angle, ça s'approche un petit peu. Soufflé, ouais, c'est travaillé en enceinte fermée, quoi. C'est pas la même technique. Mais ça marche bien? Ça plaît? Ouais, ça plaît. Ouais, ça plaît. C'est du bijou. Il y a aussi bien des lignes classiques que des lignes plus contemporaines, quoi. Plus tendance. Bah, merci à tous, en tout cas. La première salle dans laquelle il y avait le spectacle de magie, il y a d'autres exposants. On va peut-être aller les voir, parce qu'il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. Sophie qui a des corps bruts absolument superbes et devant. On y va, je vous suis. Merci beaucoup. Merci. Sophie, c'est juste là. Voilà, en ressortant. Donc Sophie est quelqu'un qui peint très très brut et qui peint des corps absolument magnifiques en mouvement. Et puis voilà les raku de Cathy, qui est donc du grès, avec une cuisson très hasardeuse, un petit peu comme le suminagashi. En tout cas, c'est original tout ça. On traverse encore une fois la rue? On traverse une fois la rue. Allez, on continue. J'aime bien me promener rue Nationale avec vous. Oui, surtout quand on contemple des peintures d'un peintre espagnol venu rien que pour nous. Rien que pour vous. Exactement. Pour le marché d'art de Noël. Alors c'est la première salle qu'on avait visitée tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup plus de bruit. Voilà. Mais il y a aussi des artistes à découvrir absolument. Exactement, il y a donc Freddy qui vient d'Espagne, Audrey qui vient de nous rejoindre, qui a participé plus que largement à monter le marché, Virginie qui est graveuse également, Pierre qui a la particularité d'adorer les pierres et qui peint les pierres, à défaut de se taper la tête contre, et on retrouve des bijoux et des bijoux à tout petit prix, mais qui font plaisir juste pour se faire plaisir. Qui est le responsable de tout ça que je le rencontre? Il n'y en a pas, on est tous responsables ici. On m'a dit qu'il y avait Franck qui avait un petit peu chapeauté, qui est le manager. Voilà, alors Franck est un peu l'homme par qui tout est arrivé, parce que c'est un homme de lien, c'est un homme qui crée des connexions, et donc c'est lui qui a rassemblé un petit peu les idées, et qui, avec l'énergie de tous, a réussi à monter le spectacle et à rassembler tous les jeunes. Bah on va le voir, c'est le seul qui a une cravate, en gros. Exactement, mais c'est pour ça que c'est le chef. C'est pour ça. Monsieur le chef, enchanté Franck, ça va bien? Oui, ça va, merci beaucoup. Bah, bravo. Merci. C'est un bel endroit, c'est un moment pour passer, un bon moment. Tout à fait, un bon moment pour passer au niveau de l'art. Enfin, tous les arts sont représentés pratiquement ici. Il y a la peinture, il y a la bijouterie, et puis il y a aussi l'univers de la magie, avec Jumini qui a fait la représentation ici. Et c'est une passion aussi, donc toutes les personnes qui sont là essayent de transmettre leur passion. Et en fin de compte, c'est pour ça que la connectique, elle a été faite, parce que chaque passion regroupée, bah, ça fait une très belle chose. Je suis en train de chercher, ils sont partis les magiciens? Bah, ils sont partis. Je voulais pas me faire enfermer dans une boîte. Non, bah, oui, mais et puis en plus, on se fait transpercer le cou. Oui, c'est dangereux. Il faut faire attention parce qu'on peut disparaître, on peut se faire transpercer avec un sabre ou avec le carcan. Voilà, donc c'est vrai que couper en quatre aussi. Bah alors moi j'y vais, hein, je vais pas rester là trop longtemps. Bah non, on va vous garder, on va vous mettre dans la boîte. Nous on prend la direction du marché de Noël de Loué cette fois-ci. C'est un petit peu plus loin que Le Mans, petite demi-heure, on y va, c'est parti. Ok. Dans la nuit. À bientôt, merci à vous et bravo. Merci, au revoir.